Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous laisse écouter cette chanson. Que Val Fiori n'a pas pu chanter, je vais vous dire pourquoi. Il y a beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à savoir. Excusez-moi de l'heure à laquelle je fais le direct, mais c'est une information capitale. Je vous laisse arriver. Je sais qu'ils viendront tout à l'heure. Ils savent que j'ai des informations. La vérité sur tout ce qui s'est passé. Hein? La vérité sur tout ce qui s'est passé à Paris. Nous avons réussi à infiltrer carrément. Voilà, la BAS et le MRC en débandade totale. En débandade totale. Je vous laisse écouter Valfero. Je sais que l'heure est mal choisie. Faites un max de partage. Il faut que ça, il faut qu'il y a, il faut qu'ils écoutent ça. L'infiltration de la BAS et du MRC. Écoutez. Je vous laisse arriver. Je vous laisse arriver. Max de partage. Max de partage. Si on n'atteint pas, si on n'atteint pas 300, je suis obligé de ne pas faire le direct. Je l'arrête, je le referai. Et 300 partages. Bonjour ma mère Aurélie Bala. Bonjour Nicole Bozor. Pourquoi la base? Pourquoi ils ont peur? Pourquoi la base et le MRC? Pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils ont peur? On n'a pas besoin d'être sans. On n'a pas besoin d'être sans. On peut faire mal. Donc ça veut dire que un écart. Vous avez dit quoi? Vous avez dit qu'un bas militaire vaut quoi? Vous allez comprendre ce que c'est que le peuple écran. Tout seul, ce que un écran a fait. Ce que un écran a fait tout seul, tout seul, tout seul. Je vous laisse arriver. Si on n'atteint pas, si on n'atteint pas, si on n'atteint pas, Marseille ne serait que 300 partages, je reporte le direct. Je sais que l'heure n'est pas choisie, mais c'est une information capitale. Merci Valfero, merci Valfero. C'est la chanson qu'on a refusée quand tu joues. Nous avons exigé cette chanson-là. Nous avons infiltré et nous avons exigé cette chanson. C'est pour ça qu'il y a eu bagarre au sein du MRC et de la basse. Nous avons demandé à ce qu'ils chantent cette chanson-là. La chanson, celle-là. On a demandé à ce qu'ils la chantent. On a exigé parce que je vais vous dire beaucoup de choses. Tout seul, j'ai infiltré le MRC. Je n'ai pas eu besoin de qui que ce soit. Je voulais un petit pouce. Un petit coup de pouce, tout simplement. Juste un petit coup de pouce, comme ça, je voulais du gouvernement. Je ne voulais pas des milliards, je ne voulais pas des millions. Juste un petit coup de pouce, comme ça, du gouvernement. Regardez comment ils sont en panique. Ils sont en pleurs, ils sont en panique. On a décidé. On va repasser encore 20 films. Il faut qu'on atteigne les 300, les 400 partages. C'est un noble camp qui vous parle. La puissance, l'homme qui fait pleurer la basse, l'homme qui fait pleurer le MRC. Allez écouter le direct. Il a fait pipi sur lui. Allez écouter le direct. Camouin a fait pipi sur lui. Ils étaient 20 gros bras. Contre moi, je n'ai pas le besoin de qui que ce soit. Je voulais un petit coup de pouce des miens. Je voulais un petit coup de pouce des miens. C'est pour vous montrer ce que vous en êtes. Un seul écart. Un écart vous a fait courir. Un écart vous a fait voler en éclats tout seul.
Monsieur Kamoua, tu pleures, qu'est-ce que tu pleures? Vous avez combien? Vous étiez 20, 20 contre tout seul. Je vais montrer ce que vous en êtes. On a demandé à Balcero de chanter ça. C'était la contrepartie. Et il a voulu chanter ça, c'est parti à cacahuète. On a infiltré la scène. On était dans la scène. Pour vous montrer ce que c'est qu'un écran. Vous ne serez plus jamais tranquille. Vous ne serez plus jamais tranquille, monsieur Kamoua. Vous pleurez pourquoi? Pourquoi vous pleurez? Dites-le, vous avez fait pipi sur vous. J'attends. S'il n'y a pas 400 partages, je repousse le direct à une certaine heure. On va aller le 9 et on va voter, ça va se passer. Merci, son excellence Momo. Vous avez remis le passeport de Longuet Longuet. Merci. Aller voter ne sert à rien, qu'on a perdu notre pouvoir, que les urnes sont déjà pleines, mon frère, il mon Dieu. C'est une technique pour qu'on crève, sans lever le petit doigt au cas qu'on crève, ceux qui crèvent, aller voter. Exact. Le pouvoir sera au peuple si le peuple le veut. Max de partage. L'information est capitale. Il faut qu'on atteigne les 400 partages. Sinon, je repousse le direct. Allons voter pour une fois que nos peines et nos déceptions ne nous aveuglent pas. Le monde n'est plus le même. Seuls les aveugles ne voient pas pour nos enfants soyons des hommes. Un écran seul, il tétanise la basse. Ça s'appelle voyage éclair. Voyage éclair, ils sont tétanisés. Merci Balcero d'être devenu dans le bon côté. Tu n'es pas dans cette mascarade. Ils t'ont appelé et tu voulais chanter. Tu voulais chanter, va voter. Ils ont refusé. C'est parti en cacahuète. Ben, je suis vraiment navré, je suis désolé. On écoute encore Valcero. Essayez de faire un max de partage, atteignons les 400. Si on ne les atteint pas, je suis obligé d'arrêter le direct. Alors, je vous dis ce dont je voulais parler. Je voulais parler de l'infiltration de la basse. De l'infiltration du NRC et de la sensation qu'ils ont eue. Vous voyez des costauds faire pipi sur eux comme leur gourou. Je dis, ils ont fait pipi sur eux comme leur gourou. Atteignons les 400 partages, je vais vous dire cela. Aller voter, c'est prendre position, c'est faire entendre sa voix. Aller voter, c'est être responsable, c'est être respecté. Aller voter. Je salue le commissaire Zogo. Merci pour le travail sur le terrain. La basse aux aguets. Le MRC aux aguets. Deux personnes, pas plus. Neutraliser la basse. J'ai pas eu besoin de 150 000 personnes. C'est ce qu'on appelle un dignicat, un fils écart. Je représente la famille écart, tout seul. J'ai pas besoin. Et je l'ai fait. Maintenant, je veux que les autres me suivent.
sera tes propres choix, tout ça tu décideras pour toi, c'est à toi. J'ai senti votre force derrière moi. J'ai senti votre force derrière moi. J'ai senti la puissance. Comment est-ce que les dieux, les ancêtres, m'ont pénétré pour neutraliser 20 personnes? 20 personnes, dont Cam la panthère. Et il a fait pipi sur lui lorsqu'il a vu le mort. D'où les menaces de mort. Allez regarder son direct. Par contre, je vais lui montrer qui est un écart. D'abord parce que l'écart, juridiquement, je vais faire ce qui est normal. Il y a déjà une opération en cours, citation directe. Parce que quand tu dis que tu es fort, c'est le face-à-face. Tu n'as besoin de rien du tout. Le défi, c'est quand je tétanise la basse, je tétanise le MRC. Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quoi? Wandje, ils disent quoi? Qu'il n'était pas assassin? Qu'est-ce qu'il faisait? On appelle ça quoi? Décapiter des gens, c'est pas l'assassinat? Alors il faut arrêter. Il faut appeler chien, chien, sans chien. Lorsque tu tues quelqu'un, tu es un assassin. Je suis désolé. Les dessous de Paris, je voudrais les 300 partages. Unel Cavalli, bonjour, dites-moi. Michel Bikele, ma soeur, on ne touche pas à la jeune fille. Et quand on ne la touche pas, personne n'a le droit. Celui qui s'attaque à toi, à ta famille, je suis là, je direct. C'est pas le bruit, les gens s'amusent. J'ai besoin de votre alchimie, votre force. Je vous dis, j'ai malmené la basse à Paris. Essayons d'atteindre. Alors, Michel, ma soeur Michel Bikele, dis-moi déjà si on atteint les 400, les 300 partages. Je salue les écans. Le défi, c'est quand seul a fait mal à la basse, d'où les pleurs de Camon la Panthère. D'où les pleurs de Camon la Panthère. Les discours de quartier. Oui, Vincero, tu l'as fait. Je te l'ai demandé, tu l'as fait. Tu voulais chanter, va voter. Ils ont commencé le désordre. Ils ont voulu atteindre ta personnalité. Ils ne peuvent pas. Et on leur donne encore un défi. Ils ont vu tout simplement ce qu'un seul État peut faire. Laisse arriver. C'est maintenant ou jamais, ne perdons pas notre avenir à ceux qui prennent la corruption, il est plus facile de faire faux quand les urnes sont vides, alors vous en faut les remplir. Sur les listes, il faut s'inscrire. Si on n'atteint pas les 300, je repousse le direct. Ce que j'ai à dire est très important. Ma soeur Michel Michele, dis-moi si on a atteint les 300 partages. Je ne fais pas dans la dentelle. Je ne parle pas que sur Facebook. Vous avez vu, tout seul, je suis allé à Paris. J'ai infiltré la passe. J'ai infiltré le MRC. J'ai fait mal. Et il pleure aujourd'hui. Il pleure aujourd'hui. Vous voyez, le défi, c'est quand? Je n'ai pas besoin de faire le bruit. Je n'ai pas besoin de vous montrer les vidéos. Eux-mêmes, ils le savent. Eux-mêmes, ils le savent. Je suis un défi. Il n'y a personne. On ne touche pas à la famille Ekan. Vous avez exagéré. Je dis, moi, je ne parle pas. J'agis, je viens chez vous dans vos positions et je vous frappe.
Oui, ma soeur, blesse-toi. Il faut que je t'appelle. Et tu te. Ton frère, tout seul, a tétanisé la masse. Il y a la paille. Ils ont pleuré. Je salue le Maroc, je salue l'Algérie, je salue la Tunisie, tout le Maghreb qui me regarde. Ils savent. Ils savent. Ils le savent. Je suis un commandant. Je suis un écrin. Un délice écrin. Ils me connaissent. J'ai pas besoin. Tout seul. J'ai tout simplement besoin de l'appui de ma famille écrin. En logistique, je ne demande rien du tout. Vous avez vu avec le peu de moyens ce que j'ai fait. J'ai déstabilisé la base. Ils sont aux abois aujourd'hui. Ils savent que je suis dedans. J'ai infiltré et je suis là. Ils ne savent pas comment me retirer. Vous allez aller au vote. C'est ça la démocratie. La vraie démocratie. Ma soeur, dis-moi si on a déjà atteint. Alors, dites-moi si on a atteint, parce que moi je ne vois pas. Hein, ma soeur, Michel Bikele, dis-moi si on a atteint. Les 300 partages, sinon je repousse le direct. Vous savez, et c'est ça qui doit faire notre force. L'information, elle doit être partagée, elle doit être relayée. Nous ne faisons pas assez. Vous vous rendez compte que lorsqu'ils font en direct, ils partagent. Ils sont au moins 1000 partages. Nous allons même partager leur direct. Voilà une information que je donne à la famille Ekang. Un seul Ekang, le dit fils d'Ekang, a frappé la base tout seul. Alors, j'attends que ma sœur Michel Bikele me dise si on a atteint le max, si on atteint le max, je commence et je vais commencer par vous donner déjà le déroulé de ce solo meeting. Puisque c'est Kamoua qui a donné le coup d'envoi, il vient pleurnicher. Donc, j'attends. On va chanter, on va entamer la chanson, l'hymne national. Oh, chier caca. Oh, money people, go chier caca. Oh, chier caca. Oh, chier caca. Oh, money people, go chier caca. Oh, chier caca. Oh, chier caca. Oh, money people, go chier caca. La version Bamileke. Aïla, n'encanto, chie caca, ma calcul, ma caca. La version Betty maintenant. Comme toi, ma noble zen, le panjon gagne, agba le peuple, oh, moura benye bop, comme toi, ma noble zen, le panjon gagne, agba le peuple, oh, moura benye bop, comme toi, ma noble zen, le panjon gagne, agba le peuple, oh, moura benye bop,
Alors, je ne sais pas. Bonsoir, bonjour mon frère Onana Dokola. Dites-moi si j'ai atteint les 300 partages pour que je puisse commencer avec cette information capitale où tout seul, j'ai neutralisé la basse. Tout seul, je vous dis, tout seul, j'ai neutralisé la basse avec le peu de logistique que je peux avoir et l'intelligence d'un étang. Bon, j'attends. Mettez-moi en dessous si j'ai atteint déjà les 300 partages. Essayons d'atteindre les 300 partages. Le direct, vous savez, chez moi, il ne dure pas. On aura 30 minutes, 30 minutes de direct, pas plus. Juste pour vous dire ce qui s'est passé, je vais vous dire ça petit à petit parce que c'est trop long et je ne vais pas durer 2 heures de temps. Il y a des gens qui doivent repartir. Ils ont pris juste la pause parce qu'ils font confiance à un digne camp. Ils ont fait juste une pause pour écouter le digne fils de la nation de la République qui ne demande rien du tout. L'éducation même de la République allait dire, je dis haut et fort, allait dire, je suis le fruit de l'éducation de la République, bête en bas. Allez dire, allez parler où vous voulez. Et ce digne fils de la République, cette éducation de la République, qu'est-ce qu'il fait? Il est venu à la basse, à Paris, tout seul, dit, merde, vous ne pouvez rien faire. Rien. Et je vous ai dit, je vous ai mis en défi, je vous avais averti, vous avez continué, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu ce qu'un seul étang peut faire. Mais attendez alors, le reste viendra. Le reste des étangs, ils vont me suivre. Parce que moi, j'ai donné le courage. Si moi, tout seul, j'ai fait ce que j'ai fait à Paris, les autres vont suivre. Les autres vont suivre. Dites-moi exactement, est-ce que les 300 partages sont atteints? Pour que je lance la vidéo et que je commence notre direct. Bon. Personne, ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint les 300 partages. Donc, on va encore écouter 20 secondes. Essayons, s'il vous plaît, essayons. C'est 30 minutes de direct, pas plus. Vous savez, je suis conscrit, je suis direct. Parce que moi, j'aime pas les longs directs. Donc, par petite dose, je vais vous le dire. Tenez les discours de quartier, voici venir l'heure de l'action. Une action citoyenne pour une jeunesse engagée qui veut construire son avenir. Jeunesse, venez suivre le défi séquent, jeunesse séquent. Venez suivre le défi séquent, ce qu'il a fait. Tout seul, il a neutralisé la base à Paris. Il n'y a pas eu de bruit. Il y a eu les pleurs. Vous voyez les pleurs sur Facebook. Oui, ma soeur Diamant Brut, je t'enverrai le direct comme on l'apporte. Je t'enverrai le direct. Il y a des pleurs, des menaces de mort. Alors que non, on agit sur le terrain parce qu'on est en écran. Digne fils écran. Vous devez protéger votre fils. Vous devez protéger votre fils. Vous devez faire. Et je demande à ceux-là qui gouvernent au Cameroun, vous avez maintenant votre fils qui vous a montré qu'il est capable tout seul d'anéantir la masse. Maintenant, le reste vous appartient. Exactement, Féro. Ils ont voulu atteindre ta personnalité. On a dit non. Et on a agi. On l'a infiltré. Et on a agi. Tu voulais chanter ce morceau. Oui, Valsero. Nous tous ne sommes pas contents du système. Nous tous ne sommes pas contents du système. Mais on veut la voie pacifique. On ne nous impose personne. Personne n'a le droit de nous imposer qui que ce soit. Et je vous ai dit, tout seul, je suis capable. Vous n'avez pas cru. Je suis venu à Paris. Personne ne le savait. Et j'ai agi. Acte 1. Acte 1. Les pleurs commencent à moi. T'as pas encore pleuré à moi. Je pense que aller voter ne sert à rien qu'on a perdu notre.
notre pouvoir, que les urnes sont déjà pleines, mon frère, il manque. C'est une technique pour qu'on crève sans lever le petit doigt au cas qu'on traite ceux qui crèvent. Allez, ils sont en train de bagarrer à l'intérieur, ils se cachent. Ça a été chaud. Ils pleurent. On a infiltré même les agents de sécurité. On les a infiltrés. Et nous ne sommes pas dans la violence, vous avez vu. On a fait proprement. Proprement, quand nous on se met à pleurer. Donc quand je vois certains écrans venir manquer de respect aux autres écrans, ils doivent se regarder en face. On agit sur le terrain. On agit, on ne prend pas l'argent du contribuable, mais on demande tout ce qui c'est tout. On ne touche pas à mon pays. On ne touche pas à ceux qui gouvernent. On ne touche à rien. C'est clair. Il faut leur dire tout simplement. Même si quelqu'un a pris quoi, il faut le lui dire en respectant la déontologie. En respectant, voilà ce qui est. On ne va pas nous imposer quoi que ce soit. Et je l'ai démontré. Un seul écran contre la basse. Il y a panique. Il y a panique, vous avez vu. Bon. Ma soeur Adèle Moulet, oui, bonjour. Essaye de me dire si on a atteint les 300 partages. Ma petite sœur Diamant Brut, dites-moi si on a atteint les 300 partages. Moi, je ne peux pas voir. Ma sœur Bikele, Michel Bikele, ma sœur Diamant Brut, ma mère Adèle Moulet, dites-moi si on a atteint les 300 partages. Est-ce qu'on a atteint les 300 partages? L'éducation civique, aller voter, c'est un droit, mais aussi un devoir. Aller voter, c'est prendre position, c'est faire entendre sa voix. Aller voter, c'est être... Si on a atteint les 300 partages, dites-moi. C'est contrôler le baromètre de sa vie camerounaise. Camerounaise, maintenant ou jamais, ne bradons pas notre avenir à ceux qui prennent la corruption, il est plus facile. De faire oui, je l'ai fait. Alors, cousin, faut les remplir. Je l'ai fait. Le difficile est quand celui qui habite pour le seul et qui sera gouverné bientôt. J'ai entendu par la voix des représentants du gouvernement. Bientôt pour le seul sera gouverné. Votre défice, il plaide pour vous. Une question, man, qui le fera pour toi? C'est moi qui ferai tes propres choix, cousin, qui décidera pour toi. C'est à toi de voir ta tête dans un miroir, savoir que t'es une fois, peut-être sans le vouloir. Vas-y, viens. Si on va jouer au jeu. D'accord, merci beaucoup, Yannick. Merci beaucoup, Yannick Akouli. C'est pas la peine de tout casser parce qu'on est deux, tu frustrés. Merci, petit frère. Bon, on a. Alors, retenez que. Monsieur Camois, la panthère pleure, parce que ils ont voulu une confrontation. Donc, dans la confrontation, ils étaient nombreux. La seule chose qu'on leur a demandé, on leur a dit, vous n'avez pas le droit de faire ce meeting au mur des lamentations. Vous êtes des pleureuses. Vous êtes des pleureuses et vous n'avez pas honte. Vous allez pleurer dans les jupes du colon. Vous allez pleurer dans les jupes du colon et vous le montrez en mondiaux. Toutes les télévisions du monde entier ont vu comment vous êtes des pleureuses et que vous n'avez rien, vous n'avez pas de couilles. Pareil, vous n'aviez pas de couilles lorsque on s'est retrouvé nez à nez, face à face, dans un couloir du 9e, où, Camois, tu as fait pipi sur toi comme ton gourou,
Tu étais en train de pleurnicher. Un gros pipi tu as fait. Tu dis, pardon, pardon, excusez-moi, excusez-moi. Je suis là simplement pour le pays. C'est pour le Cameroun. Je suis un suiveur. Tu as dit, il faut leur dire que tu as pleurniché, que tu es un suiveur. Hein? Que tu es un suiveur. Tu pleurnichais. Quand tu te retrouves face, quand vous êtes en masse, tu ouvres ta large gueule puante. Et tu n'as même pas de force, tu n'as pas de couilles. Tu n'as pas de couilles. Tu as vu le mastodonte que je suis. La masse que je suis. J'arrivais. Tu as fui, tu as couru. On t'a extirpé. Au jour d'aujourd'hui, tu fais un direct parce que tu pleures. Même mon nom, tu n'arrives pas à prononcer tellement. Je t'ai traumatisé. Même mon nom, tu n'arrives pas à épeler. Bien-aimé, Laurent, bien-aimé, tu bégais. Le direct, là, je vais vous envoyer le direct qu'il a fait. Et il a fait un direct inbox. Là où il pleurniche. Il a fait le direct inbox, là où il pleurniche. Hein? Il pleure. Les pleureuses, ils ont commencé. Ne voyez pas le monde qu'il y a eu. Ne voyez pas le monde qu'il y a eu. Ils savent que nous savons le nombre exact de Camerounais qu'il y avait. Tout le reste, c'était des étrangers. Et eux-mêmes, ils le savent. Ils le savent. Et j'ai dit ici, j'ai donné les montants, comment ils ont payé. Alors, je vous explique la phase qui vous fait rire. Ils sont dans un restaurant, ils ont fini de manger, ils ont une salle, un petit coin de réunion. La réunion se tient. Pendant que la réunion est en train de se tenir, bam, bam, on apparaît. Coup de force, on apparaît. Ils tremblent, tous ils tremblent. Ils disent, où sont les agents de sécurité? Comment? Vous êtes comment? On peut nous tuer, vous êtes même comment? On dit non, taisez-vous, paniquez pas. On n'est pas venu vous tuer. Nous ne sommes pas violents. On veut vous dire, on veut vous parler, que quand on veut vous atteindre, on vient, on discute. On n'est pas des criminels. L'homme écran n'est pas criminel. Intelligent, l'homme écran est important. Le défis écran s'est présenté devant vous. Vous étiez combien? Comment il faut dire combien vous étiez? Le défis s'est présenté, vous avez paniqué. Et pas derrière, ah, il a les écorces. Ah, le gars a les écorces. Comment il peut apparaître comme ça devant nous? Il a les écorces, le gars-là. Comment il a fait? Pourquoi il est arrivé ici? Où sont les agents de sécurité? Calmez-vous. Le gros arrive, calmez-vous. Vous faites quoi? On va vous prendre. Vous allez demander pardon à mon Dieu. À mon Dieu vision. Vous allez demander pardon. Un à un. Ce n'est pas votre truc que vous faites. Nous, on agit en pro. Nous sommes les pros. Monsieur Kamoa, tu as dit quoi? Tu as dit que Kamoa le pisseur, tu as dit quoi? Tu as dit que, mais tu as dit bien-aimé, je connais où tu travailles. Tu travailles à Leclerc Macon, tu habites Leclerc Macon. Oui, je t'attends. Toi, je t'attends. Et tu sais qui suis. Tu sais que ce que tu as fait, il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas faire ça. Tu sais que ce que tu as fait, il ne fallait pas faire ça. D'abord, un, juridiquement, je vais t'attaquer. Et ensuite, la légitime défense, fais très attention. Tu me connais. Tu vas pleurnicher, tu vas pleurer dans les jupes. Tu vas pleurer dans les jupes de qui? Tu appelles mon entourage. Ouais, j'ai fait le direct parce que, voilà, j'étais en colère, il m'a surpris, il est venu, regarde comment il m'a humilié devant les gens, je me suis fait pipi dessus. Tu vas appeler mon entourage, pourquoi?
Pourquoi tu m'as appelé mon entourage? Si tu es un homme, si tu es un homme, appelle-moi et demande les excuses. Demande les excuses si tu es un homme. Je t'ai montré que moi, je suis un homme. Je suis arrivé là où vous étiez en train de faire la réunion. Vous vous êtes fait pipi dessus. Vous avez commencé à dire, le gars-là, il a les écorces. Le gars-là, il a la magie. Comment il a fait? Il est ici dedans. Les agents de sécurité sont où? Je suis un autre. Et je suis un fils et camp. Je suis un fils et camp. Dans la chair, ce n'est pas... Écoutez bien, je ne suis pas un cotisé écran. Je ne suis pas cotisé. Je suis un écran pur. Donc, je dis, et c'est un message fort que j'envoie aux écrans qui veulent diviser, qui veulent combattre les autres écrans. Vous ne pouvez pas. Si je suis allé neutraliser la basse tout seul, je suis capable de neutraliser ceux qui veulent nuire aux écrans. Et je n'ai pas besoin d'un mandat ou quoi que ce soit. J'arrive et je suis devant toi. Voilà comment je procède. La basse peut vous dire. La basse tremble aujourd'hui. Quoi, ce qui se passe à l'intérieur? On est rentré, on est arrivé à côté du professeur. On lui a dit, arrête de faire ce que tu fais. Arrête de faire ce que tu fais. Tu n'as pas le droit de mépriser Son Excellence Paul Biya et le gouvernement camerounais. Moi seul, j'ai dit. Ils se sont tués. Ils ont fermé leur bouche quand je suis arrivé. Vous voyez comme on pleure. Il panique. Il panique. Il est en train de paniquer comme moi. Et dit, celui-là, c'est un autre. C'est un autre. Vous voyez jusqu'ici? Je ne me suis pas... vous ne m'avez jamais vu dans ce style-là. Mais j'estime que je suis un digne fils écran. Si les écrans ne font rien, je me dois de prendre les responsabilités. Et je les ai pris ces responsabilités. Je n'ai pas été mandaté par vous. Mais vous êtes fiers de moi aujourd'hui. Vous êtes fiers de moi aujourd'hui. Je dis, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu t'es fait pipi dessus, ça ne t'a pas donné la leçon. Tu oses proférer des menaces de mort. Alors là, tu vas très loin. Tu vas très loin parce que je vais te montrer qui je suis juridiquement et qui je suis personnellement. Je dis encore ceci aux écrans qui pensent que quand on dit encore aussi Tony, ce que tu as fait n'est pas bien, ça veut dire qu'on n'aime pas encore aussi Tony. Arrêtez ça. Arrêtez d'être hypocrite. Il a fait mal. On lui dit, tu as fait mal. Je suis désolé. Et lorsque certaines personnes se lèvent et disent, nous ne devons pas faire comme la basse, il n'y a pas des attitudes sélectives. Je suis désolé. Je vais voir les écrans maintenant. La basse, Salomène Tchap-Tchap, toujours, elle a écrit que Katine ne va pas prester le 8. Je vais voir ce que vous allez faire. Je vais vous laisser la main. Je verrai ce que vous êtes capable de faire à Paris. À Paris, c'est tout ce que vous savez faire. C'est manger, boire, baiser les femmes. Voilà tout ce que vous savez faire à Paris. Je pars d'ici tout seul pour anéantir la basse. Vous qui êtes à Paris, le RDPC, vous êtes où? Vous êtes où le RDPC? Tout ce que vous savez faire, c'est prendre l'argent du contribuable, faire des meetings, manger, boire. Vous allez arrêter quand? Vous allez vous lever quand? Quand est-ce que vous allez vous lever? La République nous appartient. On humilie les écrans chaque jour. Je suis obligé d'aller tout seul, de mettre ma vie en danger au nom de la nation. Et cette nation, j'attendais un coup de fil. Personne ne m'a passé un coup de fil. Vous croyez que c'est normal? J'ai agi tout seul.
logistiquement et physiquement. Alors, je vais encore dire ici, monsieur Kodesi Tony, ce que les écrans attendent de toi aujourd'hui, c'est que tu fasses un direct, tu demandes pardon d'abord, et tu nous dises ce pourquoi tu es allé au meeting du MRC. Nous voulons, parce que lorsqu'il y a un concert, il y a des affiches, il y a des tracts. Pourquoi sur les tracts qu'on nous a donnés, qu'on a réquisitionnés, on a mentionné ton nom dans ces tracts? Ça veut dire qu'on s'est servi de toi, on s'est servi de toi pour, encore une fois de plus, alimenter la haine. Et la seule chose que moi, le défis des camps qui est venu à Paris tout seul, te demande aujourd'hui, de faire un direct où tu dis pourquoi tu es allé là-bas. Il faut que tu nous expliques pourquoi tu es allé là-bas. Vous croyez que j'ai mis ma vie en danger à aller seul au milieu de ces muscles, faire éruption en pleine réunion, mettre à mal la garde rapprochée de chier caca, jusqu'à ce que les gens se mettent en garde à vous. Vous croyez que c'était pour rien? Non. Voilà pourquoi Kamoua pleure. C'est une humiliation. Ce qu'ils ont fait, ce que votre fils est en train de faire, c'est une humiliation qui mérite d'être saluée, qui mérite d'être dit, qui mérite d'être comptée à nos enfants, à nos petits-enfants. Le défis c'est quand seul est rentré à faire irruption dans une salle où il y avait des gros bras MRC basses. Oui, je l'ai fait. La puissance est quand? La puissance est quand? Je suis celui-là. Le fils est quand? Et je dis, vous ne toucherez pas à un seul angle du père Paul Barthélémy Biya-Bivondo. Écoutez bien, alors le message, il est clair. Le message, il est clair. Je vous dis ceci. Monsieur Paul Barthélémy Biya-Bivondo viendra en Europe. Là, vous allez voir ce que c'est. Là, je dis encore, le jour, à partir de cet instant, si, cet instant T où je parle, le jour où le chef d'État vient en France, vraiment, chère autorité, tenez-nous au courant, ne nous cachez plus quoi que ce soit. Nous sommes prêts et nous allons détruire, nous nous engageons à détruire la base. Ça a commencé, ça a commencé. Lorsque un lugubre personnage s'attaque à Zogo et il dit, le commissaire Zogo a dit que Ernest Ouandié est un criminel. Je suis désolé, lorsqu'on tue, on est un criminel. Alors, ne jouez pas avec les mots. Ne jouez pas avec les mots, ne jouez pas avec les gens. Et Nupsi, tu as promis également la mort au commissaire Zogo. Dis-toi donc que nous sommes prêts. Vos conneries que vous faites, demandez à Marc Ivoire, à Calibri, à Lyon. Face à face, on s'est mis comme ça. Vous faites des bêtises. À main nue, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. J'ai des années de formation. Donc, quand je vois un Camois dire ce qu'il a dit, il s'est trompé. Camois, tu t'es trompé. Il faut que tu t'excuses. Si tu ne t'excuses pas, tu sais jusqu'où je peux aller. Donc, tu risques tout simplement
prendre les portes du pénitencier. Et tu sais que je vais le faire. Tu sais que je vais le faire. Et tu sais que j'ai capacité. Donc, je demande maintenant au gouvernement de prendre en compte le travail qu'on fait. Prenez en compte le travail qu'on fait. Vous avez mon inbox. L'acte que j'ai fait, c'est un acte républicain, citoyen, patriote. Donc, je ne vous ai rien demandé, mais j'ai mis en mal la base. Le bruit qu'ils font là, en interne, ça chauffe. Écoutez ce que je vous dis. En interne, ça chauffe. Ça chauffe. Le puissant fils Ekang a fait mal. J'ai fait mal. Je représente mon Cameroun. Ici, la jeunesse camerounaise. Je mobilise la jeunesse camerounaise. La fête de la jeunesse est bientôt. Vous devez être une référence pour le Cameroun. Vous devez faire ce qui est à votre possible pour mettre vraiment à mal ce chier caca. Vous devez l'attendre. Vous devez verser la farine sur lui. Vous devez même jeter les œufs sur lui. Et il doit comprendre qu'on ne s'attaque pas à la République. Il doit comprendre qu'on ne s'attaque pas à la République. Dans chez lui, vous prenez les boîtes, vous prenez les tam-tams. Il ne doit plus dormir. Chez quelqu'un ne doit plus dormir. C'est ce que je vous dis. Le digne fils, c'est quand je vous ai montré la voie. Je suis parti chez eux, dans leur salle où il y avait réunion, propre. Ils se sont fait pipi, ils ont dit que j'ai l'écorce, j'ai la magie, j'ai ceci. Ce n'est pas possible que je sois là. Mais j'ai dit non. Vous avez dit que un Baminéke, vous aussi je ne sais pas combien, le dignifié s'est calmé en face de vous. Vous êtes combien là? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs et quand, l'heure est vraiment aux actes. L'heure est aux actes. L'heure n'est pas au parler. Parce qu'il y a certaines personnes, la seule chose qui les anime, c'est prendre l'argent du gouvernement, faire la campagne, manger, c'est tout. Aller rencontrer les personnalités, se prendre en photo avec eux. C'est pas ce qu'on attend d'un digne fils Ekang. On a un combat, il faut le mener. Ce combat, il faut le mener propre, sur le terrain, comme je suis en train de vous montrer. Donc, vous savez, ça a été très éprouvant, ça a été très compliqué, mais votre fils, enfin, tout seul, j'ai mis la... Et il y a un autre scoop que je vais vous dire, je ne vous le dis pas ici, Chier Kaka, pourquoi Chier Kaka a dit que je vous aime tous? On a dit à Chier Kaka, personnellement, ce que vous faites, vous manquez de respect aux Camerounais, vous manquez de respect à certains Bamileke, c'est pour ça qu'il a dit, je vous aime tous. Donc, je vais ne pas vous dire ceci. Vraiment, vous avez vu qu'ils se sont calmés. Il n'y a pas de tête de mort. Je les ai pris à contre-pied. À contre-pied, je les ai pris. Ils sont en train de pleurnicher. Ils veulent vous faire croire que c'était une réussite. Ce n'était pas une réussite. C'est seulement que ils sont tout simplement sournois, ces Bamileke de la basse. Donc,
frères et sœurs en interne. Mais même en interne, on a infiltré en interne. Ils sont en train de se donner des coups durs, violents. Parce qu'on dit qu'il y avait une enveloppe. Il y avait une enveloppe de 100 millions d'euros donnés entre la cotisation et ce que Chiekaka a donné et ce que certains écans ont cotisé. Je vous le dis, oh, ah, oui, j'ai infiltré l'intérieur. Certains écans ont cotisé. Voilà pourquoi est-ce que je dis, il faut couper le bras. S'il y a un écran qui nous emmerde, on le jette. Il ne faut pas avoir peur. Les bas militaires, c'est ce qu'ils font. Ils renient, mais ils ne viennent pas le dire. Ils renient ceux qui ont fauté, mais ils ne viennent pas le dire. Nous, on a le courage parce qu'on n'est pas focus. Je dis ceci. Des écarts ont cotisé pour ce meeting. Pour ce meeting, ils ont cotisé. Vous croyez que c'est normal? On ne doit pas parler. Hein? Moi, je dis, j'ai la seule chose qu'on ne peut pas m'enlever, c'est la parole. Alors, la seule chose que qui que ce soit ne peut pas, je vais dire ce que je pense. Vous comprenez? Et je dis, je pense qu'il est temps qu'on bannisse certains écrans. Il est temps, parce qu'on dit, pour rentrer au paradis, si ta main ou ton pied te dérange, tu coupes, tu vas au paradis. Et je crois que si nous voulons avancer, c'est ce que nous devons faire. Et il ne faut pas avoir peur de le faire. Mes chers frères et sœurs, arrêtons de faire semblant. S'il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer, voilà comment on va avancer. La preuve, je vous demande pardon parce que je ne vous ai pas dit que j'allais sur Paris, parce que je ne vous ai pas dit que j'allais en opération éclair sur Paris. Donc, je l'ai fait. Personne ne le sait. Et je l'ai fait proprement, dignement. Et c'est comme ça qu'on dit une fille fait. Un aller-retour éclair qui a frappé, qui a mis la basse et aux aguets, elle aux abois. Ils pleurnichent dans tous les sens. Bien-aimé, bien-aimé. Ils ne connaissent même pas, ils ne connaissent plus mon nom. Ils perdent les pédales. Bien-aimé, Betete, Betete, Betetia, Betetia, ils ne connaissent plus mon nom, ils pètent les plombs. Donc, c'est pour vous dire que merci, j'ai senti votre soutien, j'ai senti votre puissance quand j'ai fait irruption dans cette salle. J'ai vu la puissance et quand en moi, j'ai vu comment ils ont paniqué, j'ai vu comment ils ont pu voir un monstre, ils ont pu voir, c'est-à-dire un Dieu vivant apparaître devant eux. Et ça, j'en suis fier. Je suis fier de toute cette force. Je suis fier de toute cette énergie positive et puissante que vous m'avez envoyée. C'est pour ça que je vous aime fort. Je vous demande pardon. J'aurais dû vous dire, mais malheureusement, quand on fait une opération coup de poing comme ça, il ne faut pas dire. Il ne faut pas le dire. Il faut agir. C'est aussi ça le très grande, surtout d'une très grande opposition à ces cinquantaines de personnes. Vous êtes fiers, soyez fiers de votre fils, soyez fiers de votre père, soyez bien fiers de moi. Votre digne fils Ekan a fait ce que beaucoup n'auraient pas fait. Alors, je dis ceci, faites les choses correctement et on peut anéantir la basse. Je vous le dis, faites les choses proprement, on peut anéantir la basse. On a tout l'organigramme de la basse dont je vous dis, on est capable de prendre un à un, de les faire parler en mon dos, un à un, en leur disant, voilà ce que vous devez dire. Donc, je vais encore vous dire pourquoi est-ce qu'il y a eu bagarre sur scène, parce que Valsero voulait chanter la chanson « Va voter », parce que c'était dans l'accord de ce qu'on s'est dit. Le meeting n'allait même pas avoir lieu si on nous avait donné les moyens nécessaires. Mais malheureusement, c'est maintenant compliqué. Mais vous savez que vous pouvez me faire confiance. Si vous donnez un centime, je vous donne le détail de ce que j'ai fait avec les
argent pour moi, je suis un digne fils de la nation. Chaque fois, je rends compte. Si je sors un centime de la nation, je dois rendre compte au peuple camerounais. Voilà ce que le peuple camerounais demande. Lorsque vous donnez un centime, vous avez donné à Laurent Béyéné. Vous dites à la nation, j'ai donné ça à Laurent Béyéné, ceci. Même si moi, on me donne, je dirais, on m'a donné ceci. Voilà comment j'ai utilisé ça. Et c'est tout ce que le peuple camerounais demande. Et cette jeunesse, elle se veut véridique. C'est tout ce que la jeunesse nous demande. La jeunesse veut qu'on soit clair. La jeunesse veut la vérité. La jeunesse veut qu'on ne lui mente plus. Voilà ce pourquoi je milite aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis votre flambeau. Voilà pourquoi aujourd'hui je dis ceci. C'est lancé. Yaoundé nous appartient. Yaoundé nous appartient d'abord. Écoutez bien. Ne prenez pas ce que vous voulez prendre. Je ne dis pas de chasser les étrangers de Yaoundé. Je dis, Yaoundé nous appartient. Si vous venez à Yaoundé, vous devez respecter l'autochtone. C'est fini. La bouillabaisse dans le passé, on en a ras-le-bol. Nous allons dresser un code de déontologie et de respect dans le centre, sud, est. Que ça vous déplaise ou pas. Nous allons fixer le code de déontologie, de respect au centre sud-est. Les gens vont me dire, qu'est-ce que tu racontes? Non, je raconte que c'est fini. Je vais dire merci à Jean de Dieu Momo qui a institué, il a pris l'engagement de donner le passeport de Longuet-Longuet. Et ça, la BAS, le MRC, vous n'en parlez pas. C'est quand ça vous arrange. Alors, votre digne fils et serviteur étant, vous pouvez en être fier. Ce n'est que l'acte 1. La BAS va s'arrêter. Le MRC va s'arrêter. C'est en marche. La première étape, c'était Paris. On n'a pas eu besoin de 100, 200, 400 personnes. Le début, la fin. Et la fin. Et vous voyez aujourd'hui le résultat. Donc, je vous exhorte à ouvrir les yeux, à être cohérent et à œuvrer pour un changement et non le changement qu'on veut nous imposer. Le MRC et la BAS veulent nous imposer un changement, une alternative, en fait, une continuité de vol. Le MRC et la BAS veulent une continuité de vol. Travailler, continuer à travailler dans la médiocrité. Nous n'accepterons pas cela. Nous avons ouvert les yeux et nous avons vu votre agenda caché. Nous allons régler ce problème. Nous avons commencé à le régler. Je demande tout simplement aux autorités de nous suivre dans cet engagement. Nous leur donnons. Ils ont donné 6 mois. Nous leur donnons 6 mois pour enrayer cette machine de souillure, cette machine de saleté, cette machine incohérente, cette machine de voleurs, cette machine de manipulateurs, cette machine incohérente même avec eux-mêmes. Tout ce qu'ils savent faire, c'est aller pleurer avec des étrangers sous un mur de lamentation, aller pleurer sous les jupes du colon. Voilà ce qu'on appelle révolution. La révolution, c'est aller supplier une recolonisation. Une recolonisation. Ils pleurent une recolonisation. Alors que nous voulons sortir de la colonisation, cette folle, cette malade, cette schizophrène, Eliane Kolo, ose dire qu'elle va donner son caleçon en parlant à Phil Marshall. À Phil Marshall.
Donc, c'est incohérent. Incohérent. Alors, je vais vous dire que on va discuter ensemble, nous les écans. Il y a une stratégie que j'ai mise en place, qu'on a mis en place et qu'on va adopter. Cette stratégie, nous allons appeler les leaders écans avec qui on doit travailler à présent, parce que j'ai vu les fruits seuls, ce que j'ai fait, ensemble, ce qu'on pourra faire. Donc, on va le faire parce que on a les moyens, on a la capacité, on peut avoir la logistique. Je vais encore dire ceci. Je ne peux pas partir sans faire la promotion de la CAN. J'ai dit ceci. Pour la CAN, les Yaoundéens, montez des dossiers. Chambre de commerce. Il y a plein de dossiers. Attente. Vous prenez un récépissé à la chambre de commerce. Si vous êtes Bayam Salam, si vous voulez vendre dans les vêtements, si vous voulez vendre où que ce soit pour la CAN, constituez votre dossier, allez le déposer à la chambre de commerce. Revenez nous voir si le dossier n'est pas suivi et nous allons aviser, prendre les responsabilités parce qu'aujourd'hui, les CAN, le Béti, doit profiter des retombées à Yaoundé, à Ebolova, à Sarmelima, à Obala, à Okola, à Sa, à Monatele, à Ebebda, à Evodula, où vous voulez, à Bafia, où vous voulez, à Douala, ils doivent profiter eux-mêmes aussi. Et nos gens de l'Ouest doivent profiter de l'Ouest. Remettons les choses dans le contexte. Je dis, la CAN arrive. Qu'il ne vous embrouille pas. Hein? La CAN est là. Qu'il ne vous embrouille pas. Il faut faire les choses correctement. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils ont à dire. C'est leur problème. Ça n'engage que eux. Hein? Donc, au jour d'aujourd'hui, je vous demande, et depuis le début de semaine, je vous exhorte à aller déposer votre dossier à la chambre de commerce. Je dis, tous les Yaoundéens qui tiennent des commerces, qui veulent profiter des retombées financières de la CAN, allez déposer vos dossiers à la chambre de commerce et venez nous voir inbox. Nous allons faire le travail si ça n'a pas marché. Voilà. Donc, ce que je vous ai dit, je vous ai donné une partie aujourd'hui des événements de Paris, une partie des événements de Paris, parce que, comme je vous ai dit, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, Laurent Béhéné se retrouver au milieu de ces gens, seul, et leur dire, monsieur, je vous regarde droit dans les yeux, je suis là. Je vous regarde dans les yeux, je suis là. Panique dans la salle. Comment ce gars se retrouve ici? Tous ceux qui veulent le direct de Camois, tous ceux-là qui veulent ce direct, qu'ils me demandent, je vais leur envoyer le direct inbox, où ils pleurent, ils pleurnichent comme une mouviette, une fillette. Mais qu'ils soient sûrs que je vais lui montrer la citation directe, il va comparaître au tribunal. Pour menace de mort. Et ça, c'est clair, précis. Mais comme il n'a rien dans le pantalon, c'est tout. Jeunesse Camerounaise, allez aux élections. On a quelque chose de pertinent. Et je voudrais demander au RDPC d'avoir une politique. Je vous donne de retirer aux gens qui ne méritent pas, aux gens qui salissent votre parti. Je vous donne les axes pour vaincre et pour amener les gens. Voilà les élections législatives et municipales.
nettoyez le Cameroun, rendez le Cameroun propre, de telle manière que le 9, quand les gens vont aux élections, quand ils filment Yaoundé, quand ils filment Douala, quand ils filment Bouya, que ce soit propre et qu'on dise voilà un engagement citoyen, voilà un engagement patriote, voilà un engagement républicain. Soyez fiers de moi. Vous comprenez? Ce n'est pas facile d'agir seul. Vous ne savez pas ce que ça m'a fait de me retrouver face à ces gens. Et ils n'ont pas levé le petit doigt. Ils n'ont pas levé le petit doigt. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Je vous dis qu'à moi, c'est fait pipi dessus comme son gourou, comme chier caca. Qu'à moi, c'est fait pipi dessus. Il n'y a pas de souci, Eric Yuke. Je t'envoie la vidéo. Je t'envoie la vidéo, Eric Yuke. Je vais vous envoyer cette vidéo. D'ailleurs, je ne vois pas. Peut-être quand vous écrivez, je ne peux plus voir, je ne sais pas pourquoi. Ils ont peur. Ils ont peur de moi. La seule chose, c'est qu'ils ne peuvent pas bloquer mon direct parce que je dis ce qui est vrai. Jeunesse camerounaise, je dis ceci. Monsieur Chiekaka doit avoir la vie dure quand il va revenir. Il faut un accueil digne de honte. Le huer. Je dis, le huer. Vous comprenez? Je dis ceci. Et je demande à la famille Ekan, à cette famille digne Ekan, de me suivre et de dire merci pour l'acte que j'ai posé. Pour l'acte que j'ai posé qui met en mal la basse aujourd'hui. Parce que vous avez vu, si ça n'avait pas été posé, il y allait avoir des directs tout le temps. Où sont-ils? Ils savent que c'est chaud. C'est chaud. C'est en train de cuire. La puissance est quand? La puissance du Dieu est quand? On vous avait promis, on vous avait dit, vous allez comprendre qui, lorsque les camps se fâchent, ce qui arrive. Même le sol tremble, même le volcan est en éruption. Vous allez voir, vous allez apprendre ce que c'est que les écans, les dignes fils écans, et ce que les écans sont capables de faire. C'est terminé. J'appelle tous les écans qui sont au gouvernement de faire une réunion urgente. Je dis ceci, je sais que vous allez la faire. Je sais que vous allez la faire, cette réunion. Je vous dis, faites cette réunion urgente. Tous les 10 fils et camps qui sont au gouvernement, faites cette réunion. Il y a urgence. Nous allons trouver un moyen de rayer à vie ces deux entités qui font le désordre. Je vous en donne. Et si la parole, ce sera fait. L'acte 1 a été un avant-goût de ce qui les attend. Et ils le savent. C'est pour ça qu'il y a panique. Il y a panique. Ce que je vais dire encore, ils sont allés jusqu'à aller payer Sébastien et ils ont payé Sébastien et Bala. Il a reçu 14 000 euros de la diaspora, de la basse et du MRC pour raconter des illégalités sur Calix Béal. Ce que ce monsieur, ce
pas. Il est manipulé. La souffrance a fait en sorte que il voulait l'argent. Et quand on lui a donné l'argent, bon, tout un tas de saloperies. Je te mets en défi. Ton bouquin ne sera pas vendu. Je dis, aucun État n'achètera ton bouquin. Aucun. Aucun État ne va acheter ce bouquin. Parce que c'est un ramassis de conneries qui est à l'intérieur. Vous savez, vous pouvez chercher toute information sur moi. Vous les avez, les informations sur moi. Je suis agent de sécurité aux personnes, agent de sécurité incendie, éducateur également, éducateur sportif. J'ai un bagage. Je suis l'éducation même de la République. C'est pour ça que vous me voyez. Vous croyez que qu'est-ce que vous allez dire? Je suis l'éducation de la République. C'est pour ça que je connais mieux ces enfants-là qui sont en difficulté. Ces enfants qui sont en difficulté, je suis à même d'apporter ce dont ils ont besoin pour que ça s'arrête. Donc, tout ce que vous pouvez raconter, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je vous dépasse sur tous les points. Je vous dépasse sur tous les points. Alors, faites très attention lorsque vous adressez à un digne fils et camp qui lutte pour son peuple. Je lutte pour mon peuple. Je n'ai rien demandé, mais je lutte pour mon peuple. Ce combat, c'est un combat noble pour moi. C'est des écans derrière moi. Des écans qui aspirent à un changement. Des écans qui veulent qu'on les respecte. Des écans qui veulent qu'il se passe quelque chose. Des écans qui veulent que leur richesse les appartient. Des écans qui se lèvent et disent non. Des écans qui n'acceptent pas tout. Alors, je vais vous dire, nous devons nous réorganiser. Et il y a une catégorie des camps, ils ont dilapidé leur avenir. Ils ont dilapidé ce qu'ils pouvaient apporter. Alors aujourd'hui, c'est leur intérêt égoïste et personnel qui prime contre l'intérêt de tout un peuple. Voilà ce que je dis à la jeunesse des camps. Rien ne sera plus comme avant. Jeunesse et camp, je suis là, je serai là, je vous ai montré la voie, je suis allé face à cette basse tout seul, rien n'est arrivé et je suis devant vous. Vous voyez les pleurs, vous voyez les pleurs aujourd'hui parce que votre fils s'est placé devant eux. Les dieux, j'étais en transe, les dieux sont rentrés en moi et j'étais devant eux, eux, tout petits, ils se sont faits. Ils ont dit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Ce gars, il a un truc. Il a quelque chose. C'est pour vous dire, quand je parle, j'agis. Je ne suis pas vos bêtises, vos conneries. Je vais vous dire, si c'est raté, au niveau logistique, on ne nous a pas suivis. Ceux-là même qui devaient nous pas suivis. Mais ce n'est pas grave. Avec le peu de moyens. Ils ne savent même pas s'ils doivent faire les autres meetings. Écoutez ce que je vous dis. Ils ne savent pas s'ils doivent faire les autres meetings. Vous allez voir. Bon, vous savez, je ne suis pas un adepte des très longs directs.
Je ne suis pas un adepte des très longs directs, mais je vous remercie parce qu'à cette heure-ci, avoir 500 personnes, vraiment, ça veut dire que vous me donnez, vous me rendez ce que je fais pour vous. Vous me rendez cela. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Vous me rendez cela. Et c'est quelque chose vraiment qui me touche beaucoup. Qui me touche beaucoup. Vous êtes là par conviction. Vous êtes là parce que vous savez que les écans doivent préparer l'après pour le bien. Et c'est aujourd'hui. C'est pas demain. C'est pas après-demain. C'est aujourd'hui. Donc, vous voyez comment ils s'organisent. Tout ce que vous voyez là, c'est la gloire. Tout ce que vous voyez là, c'est des gens, tout simplement, qui veulent bouffer de l'argent. Tout ce que vous voyez, qui, tout simplement, parce que il y a des enjeux économiques, socio-économiques, et c'est pour ça que je dis, nous, et quand, d'ailleurs, je remercie la CRTV, qui fait un travail énorme, qui bat un travail de qualité pour l'information et qui donne les informations. Et c'est pour ça, je dis encore ici, merci, merci beaucoup à vous tous. Merci à la Première Dame camerounaise, Chantal Biya. Merci à Son Excellence Paul Barthélémy Biya-Vivondon. Je suis votre humble serviteur, tous les membres du gouvernement. Seulement, s'il vous plaît, faites les choses comme cela se doit. Accompagnez-nous dans ce qu'on est en train de faire, hein, tout simplement parce que ce qu'on fait, c'est pour la nation, c'est pour l'avenir de demain. Nous avons, regardez comment, nous avons réussi à faire oublier ce pseudo-meeting. Nous avons réussi à faire oublier cette connerie qu'ils ont pondue parce que nous sommes efficaces, parce que nous avons infiltré l'intérieur. Parce qu'ils ont peur de montrer certaines images. Ils ont honte. Donc, ne voyez pas cette facette. Ils ont promis de l'argent aux étrangers qu'ils n'ont pas fini de donner. Certains étrangers n'ont pas été payés. Écoutez ce que je vous dis. Vous allez comprendre. Chaque fois que je vous ai dit quelque chose, c'est ce qui est arrivé. Et je vous demande encore pardon parce que je suis allé tout seul, sans toutefois vous en informer, parce que j'ai estimé qu'il fallait le faire. Donc, je vais garder le reste, je ne peux pas tout vous dire. Je ne peux pas tout vous dire. Très fort, passez un très bon début de semaine, au jour le jour, et vous viendrez. Nous allons terminer avec cette chanson. La chanson de l'heure, la chanson qui fait mal. How many people go chez cacao? How many people go chez caca? How many people go chez au cacao? How many people go chez au caca? Oh, chez caca. Oh, chez caca. Oh, c'est caca. How many people go chier caca? Oh, c'est caca. Oh, c'est caca. Oh, c'est caca. How many people go chier caca? La version bambinéké. Yo, ngantama pour mon camp, to chier cacao. Oh, yé, yamandoulou mon camp, to chier caca. La version Betty maintenant. Kamato ama noble zen le pandiongagne a agba le pek o murabenye bwap. Et Kamato ama noble zen le pandiongagne a agba le pek.
Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, je vous dis excellente semaine et à très vite.